Dans cette petite ville vivent un chaton appelé Cookie, son grand frère Tartine et leur petite sœur Praline. Beaucoup d'autres chatons y vivent aussi. Cookie, Praline et Tartine, la famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Leçon de pilotage. Un jour, papa ramena à la maison un engin volant télécommandé. Oh, papa, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un quadricoptère télécommandé. C'est un hélicoptère miniature avec 4 rotors au lieu d'un seul. La manette permet de le diriger comme une voiture. C'est génial, je peux jouer avec le drone. Moi d'abord, passe-le-moi, je veux essayer de voler. Je suis plus grand, j'essaye avant. Non, mes chatons, c'est un jouet qui est destiné à des chats adultes, pas à des enfants, c'est trop compliqué pour vous. C'est difficile à manœuvrer, c'est plus facile à l'extérieur. On pourra aller l'essayer dehors tout à l'heure. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais on fera ça plus tard, je dois d'abord finir quelque chose. Vous pouvez observer le quadricoptère, mais faites bien attention. Et surtout, n'essayez pas de le faire voler. Mais les jouets, c'est fait pour les chatons, pas pour les chats adultes, pas vrai? Mais oui, ce n'est pas comme si on n'était pas capable de faire voler un drone sans demander l'aide de papa. C'est nous les experts en jouets, on devrait réussir à s'en sortir. Allons dehors, on aura plus de place pour le faire voler. Coucou tout le monde, regardez ce qu'on a apporté. Waouh, c'est vraiment trop chouette ça. Oui, mon parrain a exactement le même. Et tu sais vraiment comment piloter ce truc? Bien sûr, ça n'a rien de très compliqué, regardez. Attention! Stop! Atterris, Cookie, vite! Oui, Praline, j'essaye! Ça ne sert à rien d'essayer, on ne réussira pas à le décoincer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à papa? Ça ne sert à rien d'inventer quelque chose. Il va falloir qu'on lui explique ce qu'on a fait. Papa? Ah ah! À ce que je vois, vous êtes prêts à essayer le drone. Donnez-moi ça. On va aller dehors pour notre leçon de pilotage. On est désolé, papa. On a cru qu'on pouvait faire voler le drone tout seul. On l'a déjà utilisé dehors. On est sorti, on a essayé de le faire voler et on a eu un peu de mal à le manœuvrer. Et maintenant, il est coincé dans la cheminée. Quoi? Il est coincé dans la cheminée sur le toit? Vous savez, si je vous ai demandé de ne pas y toucher, c'est parce que j'avais une bonne raison. Vous auriez pu abîmer le drone ou pire encore, vous auriez pu blesser quelqu'un. Oui, on n'a pas vraiment pensé aux conséquences. Je te promets que je ne prendrai plus jamais quelque chose sans ta permission. Vous avez au moins compris la leçon. On dirait que notre drone n'a rien, aucune éraflure, c'est une excellente nouvelle. Hourra! Voilà. Je pense que la manette est cassée, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à l'utiliser. Non, la télécommande fonctionne parfaitement, mais un quadricoptère, c'est compliqué à piloter. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un jouet pour les adultes. Tu le diriges comme un vrai pilote. Tu es trop fort, on ne saura jamais le faire voler. Bien sûr que si, on sera aussi bon quand on sera super vieux comme papa. Vous réussirez bien avant ça, il faut vous entraîner un peu et apprendre à manœuvrer. Mais jamais sans que je sois là pour vous surveiller et pour vous montrer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est ainsi que les chatons apprirent que certains jouets étaient un peu compliqués et qu'ils ne pouvaient s'en servir qu'en présence d'un adulte capable de les aider.